Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris grâce aux images que vous venez de voir, je vous annonce un grand projet que je mets en place depuis plusieurs mois maintenant. Ça s'appelle le tournoi des sabots fendus et il s'agit du tout premier, si je ne dis pas de bêtises, concours virtuel de Caprifil, je sais pas trop comment appeler ça. C'est une idée qui m'est venue lorsque j'ai découvert le tournoi Equifil Partage, qui est donc un tournoi virtuel d'Equifil. C'est un événement qui est quand même assez connu et médiatisé sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous nous suivez sur Facebook ou Instagram, ou les deux, vous savez que cette année nous sommes inscrits, Fanfan et moi, en club 2, mais également avec Egon en épreuve montée level 1. C'est vraiment un concept que j'ai trouvé trop chouette lorsque j'en ai entendu parler. Et ni une ni deux, l'idée m'est venue d'organiser le même style d'événement virtuel, mais cette fois-ci dédié entièrement à nos petites chèvres. Parce que oui, des chèvres qui sont éduquées et qui travaillent, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, tout ce travail, il est assez peu mis en valeur, je trouve. C'est vrai qu'il n'y a pas d'événement dédié à ça, il n'y a pas de concours d'agility spécial pour chèvres, il n'y a pas de discipline ou d'événement vraiment dédié à nos biquettes. Et du coup, ce format de tournoi virtuel, ça m'a vraiment paru être le format idéal pour commencer ce genre d'événement avec nos chèvres. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe, l'idée c'est vraiment que chacun reste chez soi. Il n'y a pas de déplacement à faire ou quoi que ce soit, vraiment vous faites tout depuis chez vous. Et l'intégralité du tournoi se fait à travers des vidéos tout simplement. On organise ce tournoi à deux avec mon amie Noémie que vous connaissez sur Instagram sous le pseudo The Chocho, qui est donc forcément la troisième chèvre que vous avez vue dans la bande-annonce un petit peu plus tôt. Elles font vraiment un travail incroyable toutes les deux. Je suis juste beaucoup trop fan de ce qu'elles font. Et du coup, comment vous dire que je suis beaucoup trop contente qu'on collabore toutes les deux sur ce projet. Pour vous expliquer un peu plus en détail comment le tournoi va se dérouler, alors tout d'abord, il y a un groupe Facebook qui a été créé, groupe Facebook Tournoi des Sabots Fendus, dont le lien est dans la description, et de toute façon, sachez que tous les liens qui vous seront nécessaires pour l'inscription à ce tournoi seront dans la description, voilà. Et c'est vraiment sur ce groupe Facebook que tout sera partagé, donc vraiment, allez le rejoindre, même si vous ne participez pas au tournoi d'ailleurs, je pense que ça peut être vraiment chouette de rejoindre quand même le groupe pour voir ce que les participants vont proposer. Une fois que vous êtes sur ce groupe Facebook, il y a un petit formulaire à remplir pour s'inscrire, rien de très compliqué, je vous rassure, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que l'inscription est vraiment 100% gratuite. Et ensuite, à partir du mois de mai, qui est la date de lancement de ce tournoi, tous les premiers du mois pendant 5 mois, on vous postera un nouvel exercice à faire, toujours sur ce groupe Facebook. Ces exercices seront inspirés pour la plupart d'exercices d'Equifil. C'est ça que je connais, du coup c'est un peu là-dessus que je m'appuie. En tout cas, le format sera le même, c'est-à-dire que vous aurez des contrats à 10, 15 et 20 points et vous choisirez ce qui vous convient par rapport à votre niveau. Et du coup, à partir du moment où l'exercice du mois sera annoncé, vous aurez un mois pour le réaliser avec votre chèvre, le filmer et l'envoyer sur le groupe. Autre point important que je tiens à préciser, ce concours est vraiment ouvert à tous. À partir du moment où vous avez une chèvre, que vous soyez déjà bien avancé dans le travail avec votre chèvre ou alors que vous commenciez tout juste, vraiment, on fait en sorte que nos exercices soient adaptés à tous les niveaux. Au contraire, nous ce qu'on veut, c'est motiver un maximum de gens à commencer à travailler avec leur chèvre parce que c'est tellement chouette et c'est tellement du bonheur. C'est vraiment le but de ce tournoi, donc même si vous ne faites pas grand chose avec votre chèvre, même si elle ne connaît pas grand chose, foncez, inscrivez-vous, on vous attend, le tournoi est là pour ça. Si vous voulez plus d'informations concernant le déroulement de ce tournoi, surtout n'hésitez pas à aller voir le règlement dont le lien se trouve une fois de plus dans la description. Et si malgré tout la réponse à vos questions ne se trouve ni dans cette vidéo ni dans le règlement, n'hésitez pas à la poser en commentaire tout simplement. Bon, et ben j'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, je le répète encore une fois, toutes les choses importantes, tous les liens importants se trouvent dans la description. Noémie et moi, on a trop hâte de voir toutes vos vidéos. Alors, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.